Ladies and gentlemen, welcome back, bienvenue. C'est un grand honneur pour moi d'introduire notre prochaine speakers. I'll switch to English, actually, but I would love to actually use the opportunity to practice my French. I actually did some studies at the Institut des études politiques in Paris, so it's a good chance afterwards we can do some of the questions in French. So even though the addresses will be in French, I will introduce them in English. We actually have the privilege right now to have two very special guests amongst us. First of all, His Excellency Ambassador Anatole Bakanamu, who will be the first speaker, as well as his minister for culture, industry, and tourism, Minister Victorie Nidikumana. First up is actually His Excellency Ambassador Anatole Bakanamu. He's actually currently the ambassador of Burundi to Germany and has spent many years deeply involved in Burundian national politics before moving on to the international scene. It is a distinguished career as an international diplomat. Ambassador Bakanamu thus far has represented Burundi as ambassador in a number of countries around the world, including Denmark, Germany, and Norway, and has also been invited by the Pope to the Holy See. He's currently responsible for not only Germany, but also Austria and the Vatican, and we're very much looking forward to his lecture on Burundi in terms of its national identity, as well as the way in which it is presented and perceived abroad. So if you could please join me in a very, very warm welcome for His Excellency, Ambassador Anatole Bakanamu. Thank you. Thank you very much. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et organisations internationales, distingués invités, bonjour. Et permettez-moi d'abord de remercier très sincèrement le professeur Marc Donfried qui a bien voulu nous adresser cette invitation pour prendre part aux travaux de ce Congrès économique international de Berlin, afin de présenter notre pays, le Burundi. C'est une preuve éloquente que l'Institut pour la culture et la diplomatie, dont il est responsable, procède d'une meilleure connaissance de l'autre, de son histoire et de sa culture. Je ne sais pas si on peut traduire. Ah, ok. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays, le Burundi, que j'ai l'honneur de présenter brièvement ici, est limité à l'ouest par la République démocratique du Congo, à l'est par la République unie de Tanzanie et au nord par la République du Rwanda. Sa population est estimée, d'après le recensement de 2008 à 8 millions d'habitants. C'est la même population, par exemple, que l'Autriche, sur une superficie de 27 834 km². Sur le plan régional, le Burundi est membre de l'East Africa Community aux côtés de la Tanzanie, du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda. Il est aussi membre de la communauté des pays des Grands Lacs avec le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le Burundi est également intégré dans la communauté des États d'Afrique centrale ainsi que dans les pays de la COMESA, marché commun d'Afrique. La présence du Burundi dans toutes ces organisations sous-régionales témoigne de sa volonté d'aller toujours de l'avant. Sur le plan historique, le Burundi a été successivement colonisé par la République fédérale d'Allemagne de 1903 à 1916 au titre de protectorat. Après la Première Guerre mondiale, le Burundi a été confié à ce qui était la Société des Nations, qui allait devenir plus tard l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et c'est la Belgique qui s'est occupée du Burundi jusqu'en 1962. C'est vous dire aussi que très bientôt, le Burundi va fêter 50 ans d'indépendance, ce qui est très important dans la vie d'un pays.
Aujourd'hui, le Burundi se remet de mieux en mieux des grandes épreuves de la guerre civile qu'il a endurée pendant une période de 20 ans. Depuis 2005 jusqu'à ce jour, le Burundi a pu stabiliser le processus démocratique sous la direction de son Excellence le président Pierre Nkurunziza. Nkurunziza, good news. En effet, c'est pour la première fois dans l'histoire du Burundi qu'un président de la République, élu démocratiquement, arrive à stabiliser les institutions pendant une période de plus de 7 ans. Dès lors que la démocratie a repris ses droits, l'heure est actuellement à la reconstruction nationale et la mise sur place d'un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté deuxième génération actuellement. Pour y arriver, le gouvernement doit incontestablement passer par des réformes qui touchent notamment à la gouvernance politique, administrative, économique et sécuritaire, avec évidemment un accent particulier sur la lutte contre la corruption, dont le mot d'ordre depuis 2011 est la tolérance zéro. Au niveau des droits de l'homme, mon pays vient de mettre sur pied, pour la première fois, une commission indépendante des droits de l'homme, élue par l'Assemblée nationale et dont les membres proviennent de la société civile. Très bientôt également, une commission Vérité et Réconciliation sera mise en place. Et de toute évidence, le Burundi tient à garder non seulement son élan démocratique actuel, mais également sa stabilité économique pour parvenir à une meilleure productivité des secteurs porteurs de la croissance dans les domaines assez variés, agriculture, tourisme, mines et énergie. Madame, Son Excellence, ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Industrie de Poste, va vous détailler tous ces secteurs dans le discours qui va suivre. Je vous remercie.